Chers frères et sœurs, la dernière fois qu'on s'est vu lors du prêche du vendredi, nous avions parlé du mérite du savoir en islam. Ensuite, nous avions parlé des différentes catégories du savoir qui est vanté par l'islam et qui est généreusement rétribué par Allah Azza wa Jal. Et on a dit que les catégories de sciences qui sont bénéfiques en islam et qui sont valorisées en islam ne se limitent pas uniquement aux sciences religieuses, mais ça s'étale et ça englobe aussi certaines sciences profanes. D'abord, lorsqu'on les acquiert pour Allah Azza wa Jal, lorsqu'on les diffuse et lorsqu'on rend service à l'humanité à travers justement l'application de ces sciences. Mais qu'en est-il maintenant de la valeur des savants? On a parlé de la valeur du savoir, mais qu'en est-il de la valeur des savants en islam? Il faut savoir que la valeur de quelqu'un dépend de la valeur de ce qu'il porte et de ce qu'il diffuse. Et forcément, lorsque un savant porte un savoir qui est béni, donc sa valeur va être élevée auprès d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'il transmet ce savoir à autrui, sa valeur augmente auprès d'Allah Azza wa Jal. Imam Ahmed, An-Nasa'i, Abu Dawoud, Ibn Majah et l'imam Darimi rapportent sur Abu Ad-Darda radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci: certes, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre demandent le pardon pour le savant. Même les poissons dans l'eau. Le mérite du savant sur l'adorateur est comme le mérite de la pleine lune par rapport aux autres astres. Certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par cette parole? Il est en train de nous dire que si jamais les êtres humains faillissent ou ne remercient pas assez les savants ou ne prient pas pour eux ou ne demandent pas à Allah Azza wa Jal de leur pardonner, s'ils oublient de le faire, sachez que les anges dans le ciel et les habitants de la terre ne cessent de le faire, ne cessent de demander pardon pour les savants. Qu'il s'agisse des animaux, qu'il s'agisse des végétaux, qu'il s'agisse des êtres inanimés. Et il a parlé même le poisson dans l'eau, qui est à l'intérieur de l'eau, qui est loin de la terre, qui n'a aucun contact avec le savant. Malgré cela, pendant qu'il nage, il est en train de demander à Allah Azza wa Jal de pardonner au savant. Et par cette parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous dire: faites partie de cette collectivité, vous autres musulmans. Puisque ces animaux, ces êtres humains, en allant des anges jusqu'à la pierre, demande pardon aux savants, vous devez faire de même et faire partie de cette catégorie de personnes qui ne cessent de louer la valeur des savants. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette parole, a dit le mérite du savant par rapport à un adorateur, par rapport à un dévot, c'est comme le mérite de la pleine lune par rapport aux autres astres. Nous savons très bien que la pleine lune, elle est beaucoup plus visible, elle est beaucoup plus éclatante, il est beaucoup plus grand à nos yeux que les astres qui sont lointains, même si dans la réalité ils sont plus grands. Mais à nos yeux, les astres sont beaucoup plus petits que la lune. Donc forcément, la lune a beaucoup plus de valeur, au niveau visuel bien entendu, que les astres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous dire que le savant a plus de mérite que l'adorateur. Pourquoi ceci? Parce qu'un adorateur, lorsqu'il va accomplir la prière, ou lorsqu'il va jeûner le mois du Ramadan, ou bien il va jeûner des jours surérogatoires, ou lorsqu'il va accomplir le hajj ou bien de l'umra, l'intérêt de ce qu'il va accomplir va revenir à lui seul. Il va se limiter à lui seul, à lui uniquement. Quant au savant, lorsqu'il va apprendre le savoir, l'appliquer et le transmettre, il va justement rendre service à toute une catégorie de la communauté musulmane, à des générations et des générations de la communauté musulmane. Donc l'intérêt de son savoir ne se limite pas à lui-même, mais il le dépasse pour faire profiter toute la communauté musulmane. Et voilà pourquoi
sa rétribution auprès d'Allah Azza wa Jalla est beaucoup plus importante que la rétribution d'un simple adorateur. Ceci n'exclut pas, bien entendu, que le savant pratique, parce que parmi les conditions pour considérer quelqu'un comme un savant, c'est qu'il met en pratique son savoir. On ne parle pas de cela. Un savant qui accomplit ne serait-ce que ses obligations, il se limite à ses obligations, mais il perd du temps à acquérir le savoir, il perd du temps à mettre ce savoir au service des musulmans, à répondre à celui-là, à donner une conférence par là, à concilier entre les uns et les autres, à bouger pour essayer de transmettre la parole d'Allah Azza wa Jalla. Tout ce temps-là, bien entendu, est beaucoup plus riche et beaucoup plus rentable pour la communauté musulmane que quelques heures qu'un adorateur va passer à prier ou à jeûner ou à accomplir une umrah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là, et par cette parole-là est en train de nous pousser justement à nous engager dans la quête du savoir utile. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dirhams ou bien des dinars, mais ils ont laissé le savoir. Et les savants sont par conséquence les héritiers du prophète. Si vous voulez voir l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, allez voir les paroles des savants. Si vous voulez voir les héritiers des prophètes, allez voir les savants. Et quel mérite justement ont ces nobles personnes à travers la parole, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yahya ibn Aktham, un savant qui fréquentait les assises de Harun Rashid, a dit ceci. Harun Rashid un jour lui a posé la question et lui a dit: quels sont les degrés les plus nobles? Quels sont les degrés les plus nobles? Il lui a dit: c'est le degré dans lequel tu es, ya Amir al-Mu'minin. Puisque tu es l'émir des croyants, tu es un gouverneur et qui justement juge par la justice, donc tu es dans les plus hauts degrés nobles et méritants. Et Harun Rashid de répondre: ce n'est pas cela le vrai mérite. Il y a des gens qui sont beaucoup plus méritants que moi. Et donc Ibn Aktham lui a dit: mais qui peut être plus méritant que toi? Tu es à la tête de la communauté musulmane, tu es le protecteur de l'islam. Il lui a dit: ceux qui sont plus nobles que moi et plus grands que moi, ce sont ceux qui disent: un tel a rapporté sur un tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose et telle chose. Parce que ces gens-là, leur nom est toujours couplé au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que nous allons mourir et disparaître, mais leur nom vont se pérenniser tant que la terre existe. Et il a dit vrai, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on dit Al-Bukhari a dit, vous allez finir par dire le prophète a dit. Bukhari a dit qu'un tel a rapporté sur un tel que le prophète a dit. Vous dites Muslim a dit, vous dites Abu Daoud a dit, vous dites l'imam Malik a dit. Toujours lorsqu'on cite ces savants-là, on cite automatiquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont cités, ne serait-ce que pendant les vendredis, dans des millions de mosquées à travers le monde. Sans parler bien entendu des conférences, sans parler des cours, des exhortations, qui tous les jours, chaque heure, il y a une exhortation dans laquelle on va citer un savant. Tout ça c'est pour vous montrer le mérite et la grandeur des savants en islam. Chers frères et sœurs, Ibn al-Qayyim rahimahullah dit: les savants sont à l'instar, les savants sur terre sont à l'instar des astres dans le ciel. Les savants sur terre sont à l'instar des astres dans le ciel, parce que c'est grâce à eux que ceux qui cherchent leur chemin trouvent leur finalité. C'est grâce à eux que les gens trouvent leur finalité. C'est eux qui guident la communauté vers ce qui est le meilleur pour elle. Et il dit, et le besoin des gens pour les savants est plus important que leur besoin pour la nourriture et la boisson. Parce que sans les savants, on n'apprendra pas notre religion. Les savants disent, ne sous-estime pas quelqu'un qui enseigne ne serait-ce que le Fatiha à un enfant. Ne sous-estime pas un professeur qui enseigne ne serait-ce que le Fatiha à un enfant. Parce que pendant toute la vie de cet enfant, l'enseignant-là va gagner des hasanat. Parce que c'est lui qui était le premier à lui avoir enseigné à prononcer Al-Fatiha. Et c'est pour cela que Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, lorsque Allah azza wa jal a parlé de Al-Rabbani, ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون أو تعلمون الكتاب. الرباني قال هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. الرباني, celui qu'on attribue à Dieu, l'homme qu'on attribue à Dieu, c'est celui qui enseigne le petit savoir avant d'enseigner le grand savoir. Ne sous-estime pas donc la valeur de quelqu'un qui enseigne
les petites sourates qui enseignent ne serait-ce qu'un verset, qui enseignent un seul hadith à quelqu'un de la communauté, sache qu'il fait partie des savants parce qu'il a transmis une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il aura de la récompense. Et plus on transmet avec sa voix, plus on a de la récompense de notre Seigneur. Sachez, chers frères et sœurs, que les détracteurs de l'islam sont nombreux et surtout à notre époque. L'islam gêne beaucoup de personnes. Il ne les gêne pas parce qu'il est mauvais, il ne les gêne pas parce qu'il y a certains terrorisent les gens au nom de l'islam, même si ces gens-là, tout le monde sait qu'ils dévoient complètement le message de l'islam et qu'ils n'ont rien à voir avec l'esprit de l'islam. Tout le monde le sait, musulman ou pas musulman. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils gênent. Ils gênent parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait la lumière d'Allah Azza wa Jal qui illumine le chemin des gens. Il y a des gens qui, lorsqu'ils ont perdu le chemin, ils veulent que tout le monde perde le chemin. Ils veulent que tout le monde soit à leur instar. Et voilà pourquoi il y a une grande partie de ces détracteurs-là qui déploient de l'argent, qui déploient du temps pour écarter les musulmans de leur religion, pour semer le doute dans les certitudes de notre religion. Et à chaque fois, il y a une campagne qui va dans ce sens-là. Depuis le 19e siècle, 18e siècle, on parlait des orientalistes justement, qui se sont penchés sur l'étude de l'islam pour essayer de trouver ce qui peut semer le doute. Ceux qui étaient corrects et qui ont lancé des études d'une manière impartiale ont reconnu la grandeur de cette religion. Et ceux qui étaient payés justement pour détruire la religion, ceux qui avaient justement un projet quelque part, un calendrier pour attaquer les musulmans, donc ils ont essayé de jeter la suspicion sur certaines choses. Et alhamdoulilah, nos savants ont affronté ces gens-là et nos savants ont montré leurs mensonges et ont montré justement tous les travers qui étaient les leurs dans leur soi-disant argumentation. Aujourd'hui, il y a un courant de ce qu'on appelle les coranistes qui te disent « Nous, on n'accepte que le Coran, on n'accepte pas la sunna parce qu'il y a des doutes là-dedans. » Parce qu'il y a des doutes là-dedans. Et ils sont incapables de débattre sur le fond du sujet avec des connaisseurs. C'est pour cela que vous allez les trouver dans des petites réunions ou à travers Internet en train de semer la suspicion dans l'esprit et le doute dans l'esprit des plus faibles de la communauté. Mais jamais ils accepteront de venir débattre devant les connaisseurs. Parce que tout de suite, l'argumentaire scientifique va bien entendu l'emporter sur leurs prétentions. Mais le problème, c'est que les plus ignorants de notre communauté tombent dans le piège, à cause de leur ignorance et à cause de certains connaisseurs qui sont comptabilisés comme étant des savants, qui ne jouent pas leur rôle pour immuniser la communauté contre ces détracteurs. Il y a beaucoup de courants, ceux qui attaquent le Coran, ceux qui attaquent la Sunna, ceux qui vont attaquer le Bukhari, ceux qui vont attaquer Abu Huraira. Donc les stratégies sont multiples. Le but, justement, c'est de d'effondrer l'édifice islamique, c'est de déstabiliser les fondements et le corpus scientifique des musulmans. Et voilà pourquoi, justement, nous devons nous cramponner aux savants. Et voilà pourquoi nous devons, nous, en tant que musulmans, même lambda, nous engager dans l'apprentissage de la religion pour immuniser notre religiosité et pour immuniser la religiosité de nos enfants et des générations futures. On ne peut pas rester inactif devant des gens qui sèment cette zizanie-là. Tu les entends en train de parler avec des argumentaires qui peuvent paraître du premier abord comme scientifiques et toi tu n'as aucun élément pour répondre. Pourquoi ? Parce que tu ne t'es jamais donné la peine d'apprendre justement le corpus de ta religion et d'avoir quelques données sur ta religion, sur le Coran, sur comment le Coran a été rassemblé, sur l'exégèse du Coran, sur la sunna, comment elle a été protégée, sur la stratégie qu'ont engagé les savants du hadith pour protéger la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu n'as pas une culture générale dans ces domaines-là, sache que tu peux tomber en proie de ces détracteurs. Si c'est pas toi, ça va être tes enfants ou tes petits-enfants. Et voilà pourquoi nous avons besoin de savants et voilà pourquoi nous devons protéger nos savants plutôt que de les affaiblir avec nos critiques et avec nos calomnies, parce que ce sont eux les gardiens du corpus islamique, ce sont les gardiens de la maison. Et si tu fragilises les gardiens, la maison, bien entendu, peut être envahie par tous les détracteurs, lointains soient-ils ou proches soient-ils, parce qu'il y a beaucoup qui sont comptés comme faisant partie de la communauté musulmane, alors qu'ils en sont des ennemis jurés. Chers frères,
ce qui nous manque aujourd'hui, ce n'est pas le savoir. Le savoir existe, on le trouve dans les livres, on le trouve dans les sites internet. Ce qui nous manque, ce sont les savants qui vont nous ouvrir avec les clés qu'ils possèdent, les secrets des livres et les secrets de ce que nos prédécesseurs nous ont laissé comme trésor. Cet héritage scientifique que nos ancêtres ont laissé, qui est extraordinaire, mais encore faut-il trouver les savants qui vont nous transmettre cet héritage et le partager avec nous. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, en vérité, Allah n'emporte pas la science en l'arrachant des gens. C'est pas quelque chose qui s'arrache du cœur des gens. Allah n'emporte pas la science en l'arrachant des gens, mais plutôt il l'emporte par la mort des savants. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants, les gens prendront alors des gens ignorants comme dirigeants, qui, quand ils seront consultés, donneront leur verdict sans science. Donc ils s'égareront et égareront les autres. Voilà ce qui nous manque justement. C'est les savants qui nous transmettent, qui vont chercher les perles du savoir islamique pour les vulgariser et les mettre entre les mains de notre jeunesse. Lorsque la valeur du savant a été aussi importante dans la communauté musulmane, l'islam nous a demandé de les respecter et de les honorer. L'imam Ahmad al-Hakim rapporte sur Ubada ibn Samit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne fait pas partie de nous celui qui n'honore pas nos grands, c'est-à-dire les personnes âgées. Ne se montre pas miséricordieux envers nos petits et ne reconnaît pas la valeur et le droit de notre savant. » Il ne reconnaît pas la valeur et le droit de notre savant. L'imam Tawus, rahimahullah, commente ce hadith-là en disant « Fait partie de la sunna le respect des savants. Ce respect se fait par la prière pour eux. On prie Allah Azza wa Jal pour eux, pour qu'ils raffermissent leurs pas, pour qu'ils leur donnent encore plus de savoir. Montrer la gratitude envers eux, parler d'eux en bien et les remercier. De demander après eux, demander à propos de leur santé s'ils vont bien, de les visiter, de répandre leur science, de cacher leurs défauts, parce que tout le monde a des défauts. On cache les défauts des savants, on ne le dévoile pas. Même leurs erreurs, on ne les critique pas. On montre qu'il y a une erreur du mal, mais avec dextérité, avec le grand respect. Parce qu'un savant qui a accompli un ijtihad et il a eu tort, Allah Azza wa Jalla lui donne quand même un ajr. Et lorsqu'il a raison dans son ijtihad, il lui donne deux ajr. Donc lui, il est dans tous les cas, il est récompensé par Allah Azza wa Jalla. Donc qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu vas commencer à chercher ses erreurs et à le rabaisser? Tu veux discuter de ses erreurs? Tu discutes, mais d'une manière scientifique, où tu laisses les savants le faire. Et toi, reste à l'écart. Laisse les savants discuter avec les savants et les uns montrent les erreurs des autres et pas les péchés des autres. Donc nos savants, on les protège et on protège leur réputation. Répandre leur science, cacher leurs défauts, ne pas les dévoiler, les défendre, les conseiller et vénérer leur position chez les gens et les aider dans le bien et la piété. Comme j'ai dit, nos ennemis ont monté des stratégies pour nous détruire et pour fragiliser notre tissu communautaire. Et voilà pourquoi parfois ils rabaissent la valeur des savants aux yeux de la communauté. Voilà parfois, même dans des films et ainsi de suite, on considère le savant, celui qui a appris le Coran ou l'enseignant, on se moque de lui, on le met dans des films parfois pour montrer que c'est seulement un khubziz, seulement qui cherche de l'argent et ainsi de suite, et on rabaisse leur valeur. Parce que lorsque la communauté n'a plus d'estime et n'honorifie plus ses savants, forcément elle n'aura plus les astres qui vont la diriger dans les ténèbres de l'égarement. Et voilà pourquoi nous autres musulmans, nous devons être plus vigilants dans ce domaine-là pour ne pas s'égarer et égarer notre jeunesse. Ibn Asakir, rahimahullah, dit « Sache mon frère que la viande des savants est empoisonnée. » Sache mon frère que la viande des savants est empoisonnée. Ça veut dire si tu les calomnies, c'est comme si tu manges une viande empoisonnée. Et l'habitude d'Allah en dévoilant ceux qui les rabaissent est bien connue. Toute personne qui rabaisse un savant, Allah Azza wa Jal finit tôt ou tard par le dévoiler et par tuer son cœur. Ensuite il dit, celui qui calomnie sur les savants, Allah l'éprouvera par la mort du cœur. Par la mort du cœur. Et on a vu beaucoup de ceux qui passent leur temps
à fustiger les savants, à les critiquer, eux-mêmes se font critiquer par leurs propres élèves. Eux-mêmes se font critiquer par leurs propres élèves et insultés par leurs propres élèves. Pourquoi ? Parce qu'Allah Azzawajal a mis une règle dans ce domaine-là. Il faut protéger justement les protecteurs de la religion et non pas justement les fragiliser pour ne pas fragiliser notre religion.